les peintures minérales fusion. Vous connaissez ma passion pour la décoration et la rénovation. Dans ce cas-ci, on va y aller en transformant des objets avec une peinture qui est extraordinaire, que j'adore utiliser. Pour les pots de grains ici, évidemment, c'est poreux, donc la surface est très facile à utiliser. On y va un peu comme on fait des fois des projets de peinture à la maison. Donc, on va poncer un peu la surface et après, on va nettoyer avec un TSP dans ce cas-ci qui est biodégradable. C'est un dégraissant organique, bref, pas de danger pour notre santé. Et c'est un produit qui est concentré, donc seulement dilué avec de l'eau. Les instructions sont bien indiquées, évidemment. Plein de superbes pinceaux à utiliser. Moi, j'aime beaucoup celui-ci qui est en soie synthétique. C'est de la soie effilée, donc très condensée et les longueurs sont différentes. Ce qui fait que lorsqu'on utilise la peinture, qu'on l'étend, il n'y a pas de marque de pinceau. Première étape, ma peinture ici, donc un bleu que j'ai choisi parce que j'adore le bleu, j'en ai beaucoup chez moi. J'y vais directement sur mon pot de grain, comme ça. On étend bien, on fait notre tour de peau. Évidemment, on en met à l'intérieur parce qu'il y aura de la terre éventuellement, donc ici, mais. Et ça sèche très rapidement aussi. Donc, on fait le tour de notre peau. Une seule couche, ça sèche en plus sur le grain en quelques instants seulement. Regardez, la couvrance est vraiment extraordinaire. Donc, une fois que c'est prêt, on va installer dans le pochoir. On vient coller, on vient en fait installer pour pas que ça bouge. Puis, si j'ai la peinture non plus foncée qu'on va venir mélanger avec le fresco. Le fresco, c'est un additif, c'est une poudre qui va venir lier, comme épaissir la peinture. Et ce qu'on veut, c'est donner une espèce d'effet un peu vieillot. On vient donc remplir en écrasant le pochoir comme ça. Une fois qu'on a bien rempli tous les espaces, en écrasant, comme je disais, le pochoir, pour venir lisser. Oh, c'est beau! Regardez ça! Ta-da-da! Évidemment, tout comme le pochoir, c'est comme moi, vous utilisez des ustensiles de cuisine, mais il faut aussi nettoyer rapidement. Donc, on laisse sécher une heure ou deux et ensuite, on est prêt à passer à la dernière étape. Pour donner vraiment un effet vieillot à notre peau, on va donc prendre la peinture pâle ici, j'ai pas de couleur Bedford, qu'on mélange avec un peu de fresco. Trois parts de peinture pour une part de fresco, donc ça donne de la texture, ça donne l'effet vieillot. Ici, c'est pas parfait, ben c'est encore mieux parce que c'est ce qu'on aime. Et on étend, donc on voit le mélange un peu qui est un peu granuleux. On constate ici d'ailleurs le pouvoir couvrant de la peinture. Avec un pot comme ça de 500 ml, on peut couvrir jusqu'à 75 pieds carrés. Donc, c'est vraiment bien couvrant. Et regardez ça ici, on a l'exemple parfait sur du bleu. Le blanc est parfait. Une fois que c'est sec, on va maintenant travailler pour faire l'usure. C'est assez simple parce qu'on va simplement aller travailler du côté où il y a le relief. Puis aussi, des endroits où j'ai mis un peu plus de fresco, donc on peut l'atténuer, faire ressortir un peu le bleu aussi. Alors, j'utilise ici, je viens sur les arêtes. Ça va donc en fond atténuer la peinture. Et pour voir ce que ça donne, on utilise le linge pour venir enlever l'excédent de peinture. J'y vais doucement parce que j'ai toujours peur d'en enlever un peu trop. Regardez, on voit l'effet que ça donne ici. Sur l'arête, comme ça. Même si on voit le grain un peu, c'est pas grave. Ça fait partie de toute façon de notre surface. Et voilà.